Les Américains ont choisi l'aigle comme leur emblème. Il y a beaucoup de nations. Et ça, vous savez, même le tout puissant empire romain avait comme emblème l'aigle. Amen. Alors, Dieu s'identifie à l'aigle. Il dit aux enfants d'Israël, je vous ai porté. Je vous ai porté à la hauteur. Je vous ai transporté pour vous placer dans la terre promise. Amen. Amen. Mais l'aigle, c'est un. Il n'échappe pas à la règle de la métamorphose. Mais ce que Dieu change, il ne s'agit pas seulement nous à l'intérieur. Notre environnement, Dieu peut le changer. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui change aussi l'environnement. Jésus est arrivé quelque part. Comme tout le monde. Un matin, à côté des lacs, en train de se promener, ma Bible dit ceci: tous ceux qui étaient occupés à vendre à laver leur filet à cause, subitement, tous sont venus autour de Jésus. Ils ont formé une foule. Vous savez, la présence de Dieu que nous portons. Je dis à quelqu'un, tu entreras dans un environnement. Tu ne feras pas de bruit. Mais il y aura des regards qui vont te suivre. À cause de la divinité que nous avons en nous. Il n'a rien dit. La Bible dit une foule s'est formée autour de lui. La Bible dit une foule s'est formée autour. Et il a commencé à parler. Quand vous prenez les scénarios qui étaient là avant, et les scénarios où Christ est dans les, sur les lacs en train de prêcher, quelques instants avant cela, c'était réconciliable. Vous ne pouvez pas réconcilier ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dieu a changé l'environnement. Il a changé l'atmosphère. Alors, l'aigle aussi passe par là. Quand la femelle met les œufs, vous savez, elle met les œufs à la hauteur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. À la hauteur, pas sur la terre. Nous sommes nés du ciel. Notre vrai environnement, c'est le ciel. Pendant que vous êtes assis ici, la Bible dit ceci. Nous sommes assis dans les lieux célestes. En réalité, ça veut dire ceci. Dans les lieux infiniment élevés. Parce que personne ne peut mesurer à quelle hauteur Jésus est assis. Alors nous sommes assis avec lui. Ce n'est pas par notre force. Nous sommes nés du ciel. Nés de l'esprit. Alors lui nous transporte là-bas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais en même temps, nous sommes des êtres spéciaux. Dieu nous a créés pour que nous fonctionnions dans cet environnement qu'on appelle aussi terre. C'est pour cela que nous venons, corporellement parlant, de la terre. C'est pour cela qu'il a dit à l'homme, domine tout ce qui est sur la terre. Parce que ce qui est sur la terre est aussi en toi. Amen. Amen. Mais au même moment, l'homme, Dieu avait soufflé en lui. C'est l'entité divine qui est ton esprit. Qui peut se connecter à Dieu. Pourquoi? Pour que toi tu aies un impact sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu dois dominer. Pourquoi? Ponanini. Parce que la terre ne peut pas te rejeter. Tu as le visa. La poussière qui est en toi. Quand la terre regarde, te reconnaît. Et dit que tu es habitable. Tu es un habitant ici.
La médecine a découvert que tous les minéraux qu'il y a dans la terre, tous, on les trouve dans une quantité aussi donnée dans l'homme. Les mamans, parfois quand ils ont la grossesse, l'hémoglobine rouge diminue. Les mamans savent ça. Qu'est-ce qu'on vous prescrit? C'est le fer. C'est le même fer là qu'on extrait de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. J'ai dit à quelqu'un, tu dois dominer sur la terre. Les produits de la terre vont te suivre. Parce qu'en toi, il y a aussi la poussière. Mais en même temps, je dis à quelqu'un que les trésors du ciel, les dons de l'esprit, les mystères de Dieu vont te suivre. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous avait créé l'homme en utilisant la métamorphose. Alors l'aigle, quand il pond, placé là-bas, mais il a une façon particulière de faire son nid. Il commence par prendre des matériels qui sont durs, des branches qui sont dures, et de préférence des branches qui ont des épines. C'est un processus qui prend 3 mois à peu près. Personne ne peut échapper à la loi du temps. La Bible dit au commencement. C'est le moment que le temps avait commencé. Sois patient. Ne sors pas de la couveuse avant le temps. Sinon tu ne vas pas fonctionner bien. Reste là où tu es. Alors, quand il termine à faire cette partie-là de nid, avec ses matériels durs et épineux, après il va chercher un matériel doux. Il cherche des feuilles légères. Et il cherche des petites plumes. En réalité, semble-t-il, parfois il prend c'est les plumes du mâle qu'il prend, il dépose là-bas. Amen. Et les plumes des autres oiseaux, il vient déposer là. C'est pour rendre l'endroit que ça soit un endroit doux. Parce que le gland qui va sortir de l'œuf ne peut pas faire face à ce qui est dur et épineux. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dis à ton voisin que ici nous sommes dans le nid. Ici nous sommes dans le nid. Amen. Alors pourquoi le matériel dur? C'est pour protéger. Amen. Amen. Mais aussi pour donner une stabilité. Parce qu'il le fait de manière à croiser ces branches-là. Mais il y a un autre but qui est caché. Maintenant, les aiglons, quand ils sont encore dans le nid, c'est la femelle, leur maman, qui leur apporte à manger. Oh, elles sont contentes. Elles croient que tout s'arrête là. Amen. Amen. Or, la maman est en train de compter les jours. Elle sait que les aiglons sont dans un processus de métamorphose. Non seulement elle compte les jours, elle observe l'envergure de leurs ailes. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, maintenant, quand le temps arrive, quand le temps est accompli, ce qui tango est commis, le Dieu de la Bible, Nzambe na Biblia, c'est le Dieu de l'accomplissement des temps. Asan samba bokoki si yabatango. La Bible dit que quand le temps était accompli, Biblia bete tango ekokaki. Jésus naquit. Yesu abotamaki. Vous savez ce que ça veut dire? Oui, il ne s'agit pas seulement du chiffre de temps. Et ça qui a été na mitango ya quand les conditions étaient réunies, tango makoki nyoshokoki samaki.
Il a fallu que les Romains viennent conquérir. Il a fallu que Israël devienne un carrefour. Je n'ai pas le temps de vous parler de la position géographique d'Israël. Pourquoi Israël se trouve à cet endroit-là? Pourquoi Dieu ne leur avait pas donné le territoire qui venait après la traversée de la mer? Pourquoi Dieu ne leur avait pas donné Jéricho? Je suis venu dire à quelqu'un, même là où tu te trouves, c'est pour une raison divine. Vous n'êtes pas ici. Au triangle ici. Pour rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, la mère des aigles regarde. Observe. Azotala. Et puis quand il se rend compte que mes petits ici, maintenant peuvent voler. Vous savez comment l'aigle procède? Lui qui avait construit les nids. Et c'est ce qu'on dit ici en français. Dieu dit, je vous ai éveillé. Mais le vrai terme, je vous ai mis en mouvement. Dans une autre version, on dit, je vous ai bousculé. Amen. Amen. Maintenant, l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il vient, il commence à secouer les nids. Et les matériels faibles, les feuilles, les petites plumes, quand il bouscule, il tape avec son bec, avec ses ongles, ces matériels-là, parce qu'ils sont à la hauteur, ça commence à partir. Amen. Amen. Mais les matériels durs restent. Après un moment, les enfants se rendent compte que partout ils mettent les pieds, c'est dur et insupportable. Partout ils mettent les pieds, il y a une épée. Tu es assis pendant longtemps dans la maison de tes parents. Tu es assis pendant longtemps dans la même position. Tu n'as pas compris le mouvement de Dieu. Dieu va te bousculer. Tu ne seras plus resté là. Peut-être tu diras qu'on ne m'aime pas. Les gens qui t'aimaient, ils vont commencer à te critiquer. Ils vont révéler tes secrets. Mais qui est derrière ça? Élargis ta vision. Au-delà de ces hommes-là, regarde, peut-être il y a Dieu qui est en train de te bousculer. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que maintenant l'envergure de tes ailes te permet de voler. Il crée une instabilité. Et les enfants découvrent que nous ne pouvons pas rester ici. Ils secouent. Après, ils commencent à faire comme ça. Et la hauteur dont ils avaient peur, à cause des aigles, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas tomber. Fais pas dehors. Tu ne tomberas pas. Parce que pendant la métamorphose, Dieu avait mis en toi l'habilité de voler. La hauteur où tu es ne te convient plus. Vous savez, l'une des choses que l'aide possède, qu'on ne trouve pas dans beaucoup d'oiseaux et des êtres vivants, c'est sa capacité de voir les choses de loin. L'aigle peut voir à 1500 mètres, voir un objet de 16 cm sur la terre. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que l'endroit où tu te trouves t'empêche de voir. C'est trop petit. C'est quand tu voles. C'est quand tu sors du nid. Que tu peux voir de loin. Dieu fait
transformer, élargir la vision de quelqu'un. Tu es appelé à voir de grandes choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. J'ai toujours dit ça. C'est dans le couple. Et qui sont mariés ici? Ou fiancés, mettez. Alors, nous les mariés, les fiancés, nous avons nos problèmes. Parfois nous venons à l'église, chérie, mais peut-être avant de venir là, parce qu'elle prenait le temps dans les maquillages. Là vous trouvez que c'est quoi? J'étais déjà aimé. Mais le maquillage c'est important pour la femme, pour son estime. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors le Dieu me dit, rien que ça, une discussion sérieuse pénètre. Une discussion sérieuse pénètre. Des choses que l'homme voit, souvent la femme ne voit pas ça. Des choses que la femme voit, souvent l'homme ne voit pas. Un jour mon épouse m'a dit, est-ce que vous comprenez? J'ai pris ça comme une insulte. Comment tu peux dire ça? Je constate que vous avez mon angoté. Les mariés savent ce que je dis. Baba, est-ce que nous sommes à soi, sincères que... et honnêtes? Amen. Amen. Vous savez, ça vient d'où? Oui, mais où t'as kawapi? Le problème, notre capacité de voir n'est pas la même. Les camarades allaient être macoquins, n'abîmes pas comme les alliés. Il y a une mauvaise capacité entre les deux. Quand tu n'abîmes pas nos semi-balais. La femme est comme le microscope. Moi, je suis allé dans le microscope. Elle voit des petites choses. À mon acabilo quoi, Mickey. Elle les agrandit. Mais à quoi ils s'accompagnent? L'homme est comme le télescope. Moi, bah, il y a ça dans quoi télescope? Il voit des grandes choses, mais qui sont très loin. Il y a mon acabilo quoi, Mickey, et caché ça aussi. Mais quand toi tu regardes là-bas, car c'est tant que nous sommes en Akuna Mosika. Tu dis Annie. Oui, monsieur Annie. Moi je veux faire ceci. Tu dis cela parce que c'est par rapport à ce que tu vois. La femme te dit hey, pourquoi? Pourquoi tu vas très loin? Tu n'as pas encore résolu ces petits problèmes ici. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a tort entre les deux? Maintenant, si l'homme ne comprend pas, parce que les hommes, ils ont toujours un préjugé de la grandeur, de un complexe, de la supériorité. Si elle ne comprend pas que la femme vient lui compléter pour qu'il voie des choses qu'il ne peut pas voir, il va tomber dans le puits. Les femmes sont très bonnes à rappeler des choses. Pebashi bazama lam makashi mingi na koebiso makambo eleka. Akoki kobosa na nyoso. Kasi soka salobela ka okala. Si vous êtes dans une fête. Ata soki bosa na kati de sika bisengo. Akoki koebiso oli susu. Akoki koebiso moni likamuna ebisa ka oli kamwa. Tu vois ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que tu vois? Omoni nini? Qu'est-ce que tu vois? Yoso mona nini? Et tu vois jusqu'à quelle distance. Vous savez, aujourd'hui, pour que je lise, je me rends compte que je dois éloigner ma Bible. Un jour, ma fille m'a dit, ne fais pas semblant. Je t'ai observé, tu as un problème de chute. C'est fini pour moi. Je dis, c'est fini. C'est fini. Parce que ces histoires-là, quand tu les portes, c'est pour longtemps. C'est pour longtemps, hein? Je donne maintenant des signes certains de la vieille. Amen. Amen. Mais tu vois jusqu'où? Il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que tu es encore dans le nid. Quand tu sortiras de nid, tu verras d'autres choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous savez, Oyebi, nous n'allons qu'à la direction qui nous est dictée par nos yeux. Voilà, vous voyez, si je veux aller chez Pasteur Timothée, il faut que je voie. Donc, le fait que je le vois, par mes yeux, je le localise, ça dicte ma direction. Ça dicte la voie que je dois suivre. Ça dicte le premier pas ici, jusque là où il est. Ton problème, tu n'as pas encore vu loin. Non, c'est pour cela que tu dis va. Que Dieu élargit la vision. Que tu vois même au-delà
de la durée de ta vie. Quand Jacob, alors qu'il était sur le point de mourir, il a commencé à bénir ses enfants. Il faut bien lire ces paroles. Il était en train de parler de leur destinée. Il arrive à Juda. Il dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Tu es un lion. Il parlait de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et plus tard, des siècles plus tard, Jésus était venu dans la lignée de Judas. Et Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois le futur de tes enfants, le futur de tes petits-fils, même de tes arrière-petits-fils et petites-filles, parce que l'esprit ne peut pas être limité par des objets. Que tu vois l'avenir de cette église. Sors de ton nid. Voilà pourquoi Dieu te transforme. Tu es dans ce processus. Vous savez, il a fait la même chose. Quand Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle va concevoir. Vous savez, nous aimons à Noël. Hein? Mais quand vous regardez combien Dieu avait secoué la vie de Marie. Qui était une vierge. Mais ça aurait été plus sage pour Dieu d'avertir les parents de Marie, d'avertir Joseph. Comme ça, si la chose arrive, que ça ne soit pas un scandale. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Il est en train de te bousculer. Il t'a parlé, mais il n'a pas parlé aux gens autour de toi. C'est lui qui les a bloqués, qui ne voient pas. Mais tu es là. Tu crois que pour faire ce mouvement-là, tu dois convaincre tout le monde? Pourquoi? Tu veux être en sécurité. Sécurité humaine. Tu ne veux pas être en contradiction avec les hommes. Mais avec Dieu, que tu le veux ou pas, arrivera un moment, il va te pousser seul. Tu vas expliquer aux gens. Plus tu expliques ce que Dieu t'a dit, et ils disent c'est de l'orgueil. Et quand on te répond comme ça, si tu sais c'est Dieu qui t'avait parlé, ça fait très mal. Joseph, il dit les rêves qu'il a eus. Ses frères disent c'est de l'orgueil. Est-ce que nous sommes ensemble? Je crois que Dieu a destiné ce message à quelqu'un. Marie dit, mais ça se fera comment? La même chose qui était au début. L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Comme l'Esprit de Dieu était au-dessus des eaux et de la terre au début. L'Esprit te couvrira. Il y aura une transformation à ton sein. Jusque là, il n'y a rien. C'est vide dans ton ventre. Mais quand l'Esprit viendra, il y aura des mécanismes. Il y aura des métabolismes. Il y aura des changements. Tu vas concevoir. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Marie, et Maria, du jour au lendemain, se retrouve Joseph, lui dit non. Je ne peux pas rester avec toi. Joseph s'en va. Joseph accueille. Certaines personnes vont te quitter à un moment donné. Ils vont revenir quand ils verront les résultats de ce que tu as connu. Ton problème, tu veux que tout le monde te comprenne. Non, tout le monde ne va pas te comprendre. Y compris tes parents. Joseph va dire à son père qu'il aimait beaucoup. Il raconte les songes. Jacob, un homme spirituel. L'homme qui avait dit pour la première fois
Il avait institué Dieu sur la terre. Il dit, je vois cet endroit, c'est la maison de Dieu. Écoute ce qu'il dit. Donc cet enfant veut dire, moi et ses frères, nous allons nous agenouiller devant lui et lui va régner sur nous. Celui-là, c'est son père. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Un mystère reste un mystère, même vis-à-vis de tes parents. Et parfois même dans nos dictons populaires. Attends, les parents disent que naboti moana, naboti motema moana te. Chaque enfant est un code mystérieux. Et il n'y a que Dieu, comme on dit en anglais, who can unlock it. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir ça. Où Dieu peut donner un flash à un prophète. C'est un Dieu de mystère. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tout ça est longo? Et Joseph, qu'est-ce qu'il a connu? Il était confortable dans la maison de son père. On l'a bousculé. Dieu a permis qu'il soit vendu. Vous savez, jusque là, Joseph ne sait pas que Dieu est en train d'accomplir ce qu'il avait dit à Abraham, que tes descendants iront dans un pays étranger. Ni Joseph, ni ses frères, ni son père, personne. Ni les gens qui l'ont acheté. Personne ne comprend le processus de Dieu. Pendant que je te parle ici, il y a des choses que Dieu fait. Moi, je ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas. Mais à un moment donné, tu vas comprendre. Les jours qui sont allés. Ah là 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 là. J'aime ça, j'aime quand Dieu fait les choses. Nalinga attend nzamba sala kamakambu. Il provoque un événement loin. Asali était makambu sala mamusika. Il y a la famine dans le pays des parents de Joseph. Nzali sala mikuna na mboka ya babuti na Joseph. Papa avait déjà fait le deuil. Tata sala la matanga kala. Oublié. Asia bosana. Compté parmi les morts. Batanga ekutu na katia batoshi bakufa. Et puis vint la famine. Mais personne ne se rend compte quel est le but de cette famine. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Vous voyez comme vous êtes ici. Vous les enfants de Dieu. Je dirais même comme toi tu es. Je parle pour une personne. À cause de toi. Pour que Dieu accomplisse des choses qu'il t'a promis. Il peut provoquer des troubles dans cette vie. Ça y est dans la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Vous voyez, tel que vous êtes là, peut-être le premier ministre Ilunga Ilukamba ne te connaît pas. Le président de la République ne te connaît pas. Mais parce que Dieu t'avait fait une promesse. Là où se trouve le président de la République, quand il voyage, quand il fait des réunions, il ne sait pas que des choses et des mesures qu'il est en train de prendre, c'est pour que les choses que Dieu t'avait promis puissent s'accomplir. Et ça lui peut être César prend un décret. Il était à Rome. César a joué mon canon, mon bec, quoi, ça qui n'a pas de raison purement politique. Mi bec, on est à qui pour la macambo. Il déclare qu'il faut qu'il y ait un recensement. À sa collier était single, il pouvait battre la bâtisse. Il arrive pendant que Marie est grosse. Pour qu'autant à battre ça, la vie tango était Marie à Azali dans mon combat. Il va rendre les choses inconfortables pour quelqu'un. Zambé à cause de l'été macambo, c'est la malade pour te prendre la moto. Pour que ce décès s'accomplisse la tâche. Cassez cause de la poète et mambina et coquille sa macate n'a pas moïna yo. Le décret disait il faut que chacun rentre dans son milieu d'origine. Mokane le baki était botona motason ngabi pa ya botamela. Ils sont originaires de Bethléem. Maria na Joseph bazali ba bima na Bethléem. Ils vont là-bas. Ba songi na mboka na bango. Ils sont venus là-bas. Batonyo so bazala kikuna. Il y a plus d'hôtel. Et si kaku fande zaki les soutiens. Normalement vous connaissez l'histoire on dit. Il y a un endroit là-bas. Ba besika moisa na ngokuna. L'endroit des animaux. Et si kabanyama. Vous savez ce n'était pas avec joie. Oui, mais ça là qui n'est singoté. Et Marie et Joseph allaient là-bas comme ils ont dit Noël. Noël. La naissance se passera là où il y a les bêtes, non. Marie était une femme. Marie a dit moi si n'est yo. Quelle femme peut accepter? Moi si n'y en a qui condima. Que sa première maternité. Et te mbala liboso ya bota. Puisse se passer à un endroit où il y a des animaux. Bien aimé, Dieu a ses voies qui ne sont pas les nôtres. Vous ne savez pas comment j'ai atterri sur cette chair ce matin. Parce que Timothée me connaît.
veut dire il me connaît. Mais humainement parlant, je ne peux pas payer mon billet de l'Australie pour venir ici parce que je veux prêcher chez pasteur Timothée. Je suis honnête avec vous. Mais quand j'ai payé mon billet, parce que j'avais, quelqu'un m'avait appelé ici, Dieu lui savait qu'aujourd'hui ce matin il va te parler au travers de moi. Donc c'est comme si toutes les heures que j'ai passées dans l'avion, au risque de connaître le crash, c'était pour toi. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Quand Marie entre, pouf, elle a des douleurs. Ta Marie a continué dans ta maladie, papa pas chez Bandi. Je crois l'avoir dit ici. Na Bandi n'est pas le bango awa. Et là, à cet endroit là. Pe wana de sika ya. On réunissait les animaux destinés à être sacrifiés. Et puis basaki ko sangisa banyama o sengela ki ba kende po ba pesa ba mona mbeka. Et berger devait choisir le meilleur de tous les animaux. Pe baba te nipate sengela ki ba pona nyama ya malamo ko le ka banyama nyoso. Donner cela au sacrificateur. Po ba kende ko pesa ngona ba ntumbi mbeka. C'est là où va naître. L'agneau le plus parfait sans tâche. La parole de Dieu s'accomplit. Mais Dieu se sert d'un homme qui est homme, qui n'a jamais mis ses pieds à Israël. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les événements qui se passent, écoutez-moi très bien. Il y a un passage de la Bible qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Le problème, il faut que tu sois appelé selon les desseins de Dieu et qui est l'amour de Dieu en toi. Même si tu passes par des souffrances, je suis venu te dire toutes ces choses-là sont en train de travailler ensemble pour te faire voir la gloire. Joseph va voir ses frères. Quand il voit Joseph, et ce qu'il lui avait fait, ils oublient que la vision de Joseph était élargie. Joseph leur dit, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a amené. J'ai pris Dieu au travers des événements. À un moment donné, que tu puisses localiser Dieu dans ces événements-là. Et si tu ne vas pas t'en prendre aux gens, voilà pourquoi Dieu est en train de nous transformer. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ vient dans ta vie, une nouvelle aventure commence. Moi, ici au Congo, quand j'étais ici, on ne me donnait pas à l'église dimanche prêcher. Je n'étais même pas un pasteur. Mais j'avais des messages. Tel que vous êtes assis là, pendant que je vous parle, pendant que votre pasteur prêche, le Saint-Esprit vous donne d'autres choses. Vous allez accoucher ça quelqu'un. Parmi vous, il y a des missionnaires. Tu crois que tu vas en mutation. Mais ça sera Dieu qui t'envoie là-bas. Moi, je suis parti pour aller aux États-Unis. J'arrive au Zimbabwe. Mon bon frère se réveille pendant la nuit. C'est un homme que Dieu parle. À qui Dieu parle. À 2h du matin, il me réveille. À 2h du matin, l'amour il me dit, j'ai vu un être entrer ici, tout blanc, il priait. Il m'a posé la question, qui est couché là? Il dit Cléophas. Il va rester ici pour me servir. Mais avant que je ne parte, un homme de Dieu, quand j'étais parti lui dire au revoir, en l'occurrence, pasteur Sembe. Mais comment dit pasteur Sembe? Il m'avait dit, quand il a prié pour moi, bien aimé, il faut aller voir les hommes. Je parle de vrai. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il a prié. Après, il m'a dit, Cléophas. Dieu me dit une chose. Là où tu pars, tu vas les servir dans une autre dimension.